Vous voulez trouver un endroit propice pour faire des affaires, rencontrer vos partenaires, vos futurs partenaires, bref, tenir un salon où vous aurez à la fois le professionnalisme de toute une filière et puis le cadre fantastique d'une destination, eh bien, c'est en France que ça se passe. Très clairement, vous savez, la France, elle est sur le podium en matière de tourisme international. Nous sommes premiers avec 90 millions de touristes internationaux accueillis. Et nous comptons bien vous accueillir très prochainement à l'occasion d'un prochain salon professionnel. La France est ce grand pays qui accueille plus de 4000 foires, salons, événements professionnels. Et pour moi-même, participer à un grand nombre d'entre eux, je peux vous dire que ce que j'ai vu il y a quelques semaines au Salon du Bourget, ou bien au CIRA à Lyon pour la gastronomie, ou bien encore au Salon international de l'agriculture, est tout simplement fantastique. Vous avez là un savoir-faire, des femmes et des hommes qui savent se mettre en quatre pour donner de la plus-value, de la valeur ajoutée à ces événements, faire en sorte que là où vous investissez 1 euro pour ce type de démarche, d'activité, vous puissiez derrière en générer 8. Parce que c'est ça le rapport qui a été estimé dans une enquête il y a quelques années. Alors la France est vraiment cet endroit qui vous tend les bras, qui veut vous accueillir. Nous ferons tout pour que votre événement, vos événements ou ceux auxquels vous participez se déroulent pour le mieux, que ce soit en termes de visa pour les professionnels participants au salon. Vous le savez, nous avons tenu à élaborer un partenariat très complet entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la filière avec Unimev pour justement être toujours plus opérationnel, toujours plus performant ensemble. Et je veux dire que la France, quand elle dit ça, ce ne sont pas des mots. Je veux évoquer tout simplement des réalisations. Je pense notamment aux grands événements sportifs internationaux. Vous l'avez vu, ce sont des moments aussi assez uniques au cours desquels il y a certes une ferveur où on communie, mais où on peut faire du business à côté. Je pense à ce magnifique championnat du monde de football féminin qui s'est déroulé sur cette terre française. Mais je pense aussi aux événements à venir, la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques en 2024. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez choisir la France comme un lieu, une destination favorite pour rencontrer vos réseaux, pour, encore une fois, valoriser votre expertise, votre savoir-faire, celui de votre filière. Et tout cela, d'ailleurs, en étant à la pointe, je crois, d'un combat moderne, celui pour le développement durable. Parce que oui, nous avons souhaité tenir des événements qui soient labellisés, certifiés, ISO 20121. Nous allons le faire pour le G7 qui se tient à Biarritz et des communes qui ont accueilli des ministériels du G7. Je pense à Metz également, ont fait ces démarches, ont été labellisés destination responsable. Ça aussi, c'est une marque de fabrique de la France. Alors, à très vite chez nous, je l'espère.